soit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non à haute voix. Ok. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous croyez en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois personnes de la divinité qui sont coéternelles? Est-ce que vous croyez? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus a donné sa vie sur la croix pour votre salut et vous êtes sauvé par lui? Oui. Est-ce que vous prenez donc Jésus pour votre sauveur personnel? Oui. Et est-ce que vous voulez vivre sa vie avec l'assistance du Saint-Esprit et faire sa volonté? Est-ce que vous croyez que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Et est-ce que vous prenez la Bible comme votre seule règle de vie? Et voulez-vous donc étudier la Bible, comme nous avons dit tout à l'heure, dans un esprit de prière chaque jour? Alors, moi je me tourne maintenant aux membres de l'église de Roraima. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont prêts à recevoir Inès et Dieudonné, à faire partie de l'église Roraima? Ceux qui sont d'accord à cela, je leur demande de lever la main. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Il n'y en a pas. Donc, nous sommes tous d'accord et nous allons demander au Seigneur de bénir nos amis, de les oindre du Saint-Esprit avant que nous ne procédions au baptême. Alors, je demande à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout et de l'autre côté, nous allons nous abîmer de la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège béni que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir touché le cœur de Inès et de Dieudonné pour qu'ils s'approchent de toi, pour qu'ils se consacrent à toi, pour qu'ils procèdent à ce que tu leur as demandé de faire, le baptême, cette nouvelle essence d'eau et d'esprit. Seigneur, accepte-les. Ils ont besoin de ton aide. Sois avec eux, Seigneur. Amen. Ils ont péché, et le péché nous empêche d'être en communion avec toi. Le péché nous bloque le chemin de la vie éternelle. Et nous te demandons, Seigneur, de les pardonner. Toi, quand tu pardonnes, tu ne reviens plus au péché, mais tu les considères comme s'ils n'ont jamais péché. Alors, Seigneur, pardonne-nous leur péché, et que ce baptême qu'on va leur administrer puisse être véritablement le symbole de l'ensevelissement de la vie passée pour une nouvelle vie en toi, Jésus. Amen. Seigneur, accepte-les pour devenir tes véritables enfants. Et oins-les de ton esprit pour qu'ils deviennent aussi comme Jésus. Oins-les pour qu'ils deviennent partie du peuple messianique. Amen. Prends soin d'eux, Seigneur. Ils vont commencer une nouvelle vie, comme une nouvelle naissance. Fais-les grandir dans ta connaissance, fais-les grandir spirituellement, fais-les grandir intellectuellement, et que ton Saint-Esprit les accompagne partout où ils vont. Que tu bénisses aussi leur famille, tu bénisses leurs parents, leurs frères et sœurs,
et qu'il y ait une collaboration dans la maison, Seigneur, pour la croissance spirituelle de nos deux amis. Il en est de même que tu bénisses notre Église au Rainbow, et que nous collaborions avec toi pour la croissance spirituelle d'Inès et de Dieudonné. Et nous tous, Seigneur, nous avons aussi besoin de cette croissance. Sois-en-nous par ton esprit. Et alors que nous allons procéder au baptême, je te prie aussi, Seigneur, pour moi, que tu as choisi pour faire ce baptême. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais je te prie de me sanctifier, de me pardonner, afin que cette cérémonie soit agréée du ciel. Amen. Merci, Seigneur. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Selon l'ordre du Seigneur Jésus, et selon ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Selon l'ordre de notre Seigneur Jésus et selon ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous venons d'assister à un baptême selon la Bible. Vous savez, le mot baptême, cela veut dire immerger. Et on a utilisé ce terme surtout dans le vocabulaire des forgerons, quand ils chauffent le fer et frappent le fer. Et après qu'ils finissent de frapper le fer, qu'est-ce qu'ils font? Ils trempent le fer, ils immergent le fer dans de l'eau. Et cette immersion du fer dans de l'eau, ça c'est ce qu'on appelle baptiser en grec. Alors, lorsque Jésus s'était fait baptiser par Jean, il était aussi allé là où Jean faisait le baptême, dans le Jourdain, là où il y a beaucoup d'eau, et Jésus était entré dedans. Et la Bible nous dit que quand il sortit de l'eau, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Ce qui veut dire que Jésus s'était donc fait baptiser dans l'eau. Et ce baptême d'eau a un sens d'ensevelissement. Il y a une idée d'ensevelissement dedans. Première chose, l'immersion dans l'eau, c'est comme un ensevelissement, une mort de la vie passée, et un ensevelissement de la vie passée, un ensevelissement total de tous les péchés. Et lorsqu'on sort de l'eau, lorsqu'on se relève de l'eau, ce geste est comme une résurrection pour une nouvelle vie, maintenant sans péché. Et c'est par la foi que ces personnes se sont fait baptiser. C'est pour exprimer aussi leur foi en Jésus, qui était mort et qui était enseveli, mais 3 jours après, il était ressuscité. Et cet après-midi, ce que je voudrais insister en particulier, c'est l'essence de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était allé sur le bord du Jourdain
et il a prêché. Savez-vous quel était le thème de la prédication de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ceux qui se sont repentis, il les a baptisés. C'est quoi la repentance? Pour faire une longue explication très simple, la repentance, c'est le regret d'avoir commis une faute. C'est le regret d'avoir transgressé la loi de Dieu. Et la décision de ne plus y tomber, de revenir à Dieu. L'exemple clair, c'est l'exemple du fils prodigue qui a demandé à son père, « Papa, donne-moi ma part d'héritage parce que je ne vais plus rester avec toi. » Le père avait le droit de ne pas lui donner cela parce qu'il est encore vivant, mais il l'a fait et le fils était allé. Et au lieu de prendre soin de cet argent, il l'a dilapidé par la mauvaise vie. Et à la fin, il n'avait plus rien. Il a perdu l'argent, il a perdu les amis, il ne trouvait même plus rien à manger. Il devait chercher du travail. Et le seul travail qu'il a trouvé, c'est de garder les pourceaux qui, pour les Juifs, ce n'est pas un travail louable, parce que ce sont des bêtes impures. Mais il n'avait pas le choix s'il veut manger. Mais pendant qu'il gardait le troupeau de porcs, il avait faim. Et il voyait les porcs manger leur nourriture. Puis il voulait aussi manger de cette nourriture des pourceaux. Et puis le propriétaire, le voyant vouloir manger, a dit « Non, pas toi, c'est pour les pourceaux. » Alors là, il se rend compte où est-ce qu'il est rendu, plus bas que les animaux. Et puis il a dit « Dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger. Moi ici, je meurs de faim. Dommage, j'ai fait des bêtises. » Mais je me décide, je vais revenir à mon père. Amen. Et lorsque je reviens à mon père, je vais lui dire, « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et ce geste de regret d'avoir fait des bêtises, cette décision de revenir à la maison de son père, c'est la repentance. Et pour nous aussi, frères et sœurs, je ne sais pas si nous avons déjà passé par ce chemin de la repentance. Si nous avons déjà regretté d'avoir pris le mauvais chemin et nous avons décidé de revenir sur le bon chemin. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsque vous voyez Jésus entrer dans la scène de sa messianité, je veux dire, la première chose quand il a prêché, il a dit, Matthieu chapitre 4, verset 16, Jésus commença à prêcher et il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et plus tard, lorsque Jésus a terminé sa mission, ses disciples étaient de nouveau, ses disciples ont continué la mission et ils ont aussi prêché. Et les gens, quand ils ont écouté leur prédication, ils étaient touchés dans leur cœur et ils posaient la question, « Oh frère, que ferons-nous ?» Et les apôtres ont dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Afin que vous receviez le pardon de vos fautes et que vous ayez aussi le Saint-Esprit. Et lorsque nous continuons la lecture de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, les messages que Dieu a envoyés, que Jésus a envoyés aux sept églises, ou plutôt aux cinq églises, mis à part l'église de Smyrne et de Philadelphie, à chaque église, il a dit, j'ai un conseil à vous dire. Repentez-vous.
Repends-toi de tes péchés. Et aujourd'hui, devant nous, le Seigneur nous appelle encore à la repentance. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais qui d'entre nous, pendant cette semaine, n'a pas fait quelque chose contraire à la volonté de Dieu? Est-ce qu'il peut lever la main? S'il n'y a personne qui peut lever la main, c'est que nous avons tous besoin de la repentance. Alors je lance, frères et sœurs, cet appel à la repentance. Ne voulez-vous pas présenter à Jésus aujourd'hui notre regret d'avoir péché contre lui? Ne voulons-nous pas dire à Jésus, pardonne-nous? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent véritablement se repentir aujourd'hui? Nous sommes là pour Inès et Dieudonné, mais je crois que le Seigneur nous a appelés aussi pour nous donner un message de repentance. Si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de repentance, que vous avez besoin de pardon de péché, je vous invite à vous mettre debout pour exprimer cela devant le Seigneur. Et avant que je prie pour vous, je vous demande déjà de prier dans votre cœur. Il y en a parmi nous qui avons déjà fait ce premier pas de la repentance. Et comme les gens qui étaient venus à Jean-Baptiste, vous vous êtes aussi venus au Seigneur et vous vous êtes fait baptiser. Mais il y en a parmi nous, peut-être aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait cette route, ce chemin de la repentance et du baptême. S'il y en a parmi nous aujourd'hui qui sentent ce besoin de s'approcher du Seigneur et de commencer une nouvelle vie en Jésus par la repentance et par le baptême, je vous demande de venir à côté de moi ici devant et je vais aussi prier pour vous. Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et ceux qui se sont repentis se sont fait baptiser. Les apôtres ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. S'il y en a qui n'ont pas passé par ce baptême au nom de Jésus, et qui voudrait l'avoir, non pas tout de suite parce que vous n'êtes pas prêt, mais vous allez le faire plus tard. Je vous invite à venir devant. Que vous soyez vieux, que vous soyez adulte, que vous soyez jeune ou que vous soyez enfant, le Seigneur vous appelle tous. Et je vous demande de venir devant ceux qui sentent ce besoin de la repentance, du pardon du péché, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a? Amen. 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 Est-ce qu'il y en a d'autres? Comme j'ai dit tout à l'heure, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez vieux, que vous soyez enfant, le Seigneur vous appelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient venir au Seigneur et faire un plan de procéder aussi comme Inès et Dieudonné pour le baptême d'eau et du Saint-Esprit? Je vous invite encore à venir vous joindre à nos jeunes qui sont devant.
S'il y en a parmi nous qui sont encore dans l'hésitation, je veux aussi prier pour vous. Alors, je demande à nos amis qui sont ici devant de bien vouloir s'agenouiller. Et puis, nous allons prier pour eux et nous allons aussi prier pour chacun de nous ici présents pour notre repentance. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ton grand amour pour nous. Merci, Seigneur, pour le témoignage de Inès et de Dieudonné. Merci, Seigneur, pour leur baptême, non seulement d'eau, mais aussi du Saint-Esprit. Nous n'avons pas vu la colombe descendre sur leur tête, mais nous croyons. Oui, Seigneur, par la foi, nous croyons que tu les as aussi baptisés de ton Saint-Esprit. Amen. Et en ce moment, nous venons à toi, pécheurs comme nous sommes, nous avons fait souvent ce qui est mal à tes yeux, et nous regrettons, Seigneur, et nous te demandons pardon. Ne nous traite pas selon nos iniquités, ne nous traite pas selon notre indignité, mais traite-nous, Seigneur, selon ta grande bonté, et pardonne nos fautes. Je prie pour chacune des personnes qui se sont levées pour exprimer leur repentance et leur confession de leur péché, que tu sois avec eux, que tu les pardonnes et que tu leur donnes aussi, Seigneur, un nouveau départ avec toi. Et je prie d'une manière particulière pour nos 5 amis qui se sont agenouillés ici devant. Ils ont senti le besoin de se donner à toi aussi. Ils ont senti le besoin d'une repentance sincère. Ils ont senti le besoin de se préparer pour le baptême, pour recevoir le pardon du péché et pour recevoir le Saint-Esprit, l'onction pour devenir un peuple messianique. Que tu sois avec eux, Seigneur. Que tu les bénisses, que tu les gardes. Et que leurs décisions, les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui, ne changent plus. Mais qu'ils puissent arriver au but que tu veux qu'ils atteignent. Et que très bientôt, Seigneur, nous ayons de nouveau une cérémonie de baptême dans notre Église Tourouraille. Amen. Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les de tout mal, et soutiens-les dans leurs activités, dans leurs études, et fais-les aussi grandir dans ta connaissance. Bénis aussi leurs parents, Seigneur, pour qu'ils puissent les soutenir dans leurs décisions. Et nous te remercions d'écouter notre prière et de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen.